Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Sitaram, Sitaram, Jaya Jaya Sitaram, 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 Jaya Jaya 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 Sitaram, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Jaya Radhe Shyam, Sitaram, Sitaram, Jaya Jaya Sitaram, 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 Jaya Jaya Sitaram, 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 Jaya Jaya Sitaram, 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 Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Jaya Radhe Shyam, 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 Sitaram, Sitaram, Jaya Jaya Sitaram, 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 Jaya Jaya Sitaram, Sitaram, Jaya Jaya Sitaram, 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 Jaya 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 Sitaram, 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 Jaya
Sitaram, Sitaram, Jaya Jaya Sitaram, 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 Jaya Jaya 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 Sitaram. Jaya Jaya Sitaram, 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 Jaya Jaya Sitaram, Sitaram, Sitaram. Sitaram, Sitaram, Jaya Jaya Sitaram, 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 Sitaram, Shivasati Gaura Bhakta Vindati Shri Jagannath Swami Patita Pavana Shri Jagannath Shri Baladev Shimati Supadra Devi Shri Shri Ratha Govindati Jai Shri Shri Gauranga Nitai Goshai Jai Shri Shri Gaura Nitai Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shishi Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shishu Darshan Chakra Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Tuplau Devastu Om Ajnanati Mirandasya Janatana Sarakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shcha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajiram Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Shri Vishakam Vitam Shcha Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Jagatpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Mosute, Tapta, Tapchana, Gaurangi, Radhe, Vrindavaneshwari, Rishabhanu, Sute, Devi, Pranamani, Hari, Priye, Vancha, Kalpa, Arunyasya, Vipasindhu, Bhyaye, Vachaha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Karam Naste Vanaste Vanaste Vagatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous reprenons nos études de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 25e chapitre, à partir de verset 11. Samveshamana sharanam babhrama prithivim prabhunanu rupam yada vindad abhutsa vimana iva. Traduction. Le roi Puranjana partit à la recherche d'un lieu favorable pour établir sa demeure, et il parcourut ainsi la terre entière. Mais malgré ses nombreux voyages, il ne put trouver un endroit qui lui convienne. Alors, tout désappointé, il sombra dans la morosité. L'honneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada. Juste ça. Je vais passer à l'autre. Pas le même corps. Tenant et porté par Srila Prabhupada. Les voyages de Puranjana s'apparentent à ceux de nos hippies modernes. Généralement, les hippies sont issus de bonnes familles. Ce n'est pas qu'ils soient toujours pauvres, mais d'une façon ou d'une autre, ils abandonnent le refuge de leurs parents aisés et voyagent de par le monde. Comme l'indique notre verset, l'être distinct veut devenir un prapu. Ce mot signifie maître. Pourtant, l'être distinct n'est pas un maître, mais un serviteur éternel de Dieu. Quand il abandonne le refuge de Dieu, de Krishna, et tente de devenir un prapu par ses propres moyens, il voyage alors dans toute la création. Il existe 8 400 000 espèces vivantes dans l'univers matériel et une infinité de planètes. L'être distinct erre d'une espèce à l'autre et revêt divers corps matériels sur différentes planètes. Il s'apparente ainsi au roi Puranjana qui voyagea de par le monde à la recherche d'un lieu qui lui convienne. Si Narottama Das Thakur enseigne dans l'un de ses chants de dévotion Karmakanda, Jnanakanda, Kevala Vishera Bhanda, la voix de Karmakanda, de l'action intéressée, et celle de Jnanakanda, de la spéculation, sont comme deux vases contenant un poison violent. Amrita balya yeba kaya nana yoni sada pire. Celui qui prend ce poison pour du nectar et s'en abreuve doit alors passer par différentes espèces vivantes. Kadaria bhakshana kare. Et selon le corps qu'il revêt, il se nourrit de toutes sortes de choses immondes. Un être vivant ayant revêtu par exemple un corps de porc se nourrira d'excréments et celui qui habite le corps d'un corbeau mangera toutes sortes d'ordures et se délectera même de pus et d'expectoration. Narottam Das Thakur met ainsi en évidence que l'être voyage en passant par différents types de corps et se nourrit de toutes sortes d'abominations. Et lorsqu'il ne parvient pas à trouver le bonheur, il sombre alors dans la tristesse ou rejoint le monde des hippies. Ah oui, je vais lire jusqu'au verset 25. Verset 12. En proie à d'innombrables désirs matériels, le roi Puranjana voyageait partout dans le monde à la recherche d'un lieu où tous ses désirs pourraient être comblés. Malheureusement, il ne trouvait partout que déception. Un jour, alors qu'il voyageait de la sorte, il aperçut au sud de l'Himalaya un endroit nommé Paratavarsha, l'Inde. Un jour, alors qu'il voyageait de la sorte, il aperçut au sud de l'Himalaya, en un endroit nommé Paratavarsha, une ville dotée de 9 portes et qui offrait toutes sortes de commodités et d'agréments.
Cette ville entourée de murs et de parcs était pourvue de tours et parcourue de canaux. On y voyait des fenêtres ainsi que des canaux d'évacuation. Les demeures y étaient couronnées de dômes d'or, d'argent et de fer. Le sol des maisons était composé de saphir, de cristal, de diamants, de perles, d'émeraudes et de rubis. L'éclat des palais de cette capitale la rendait comparable à la ville céleste de Bhogavati. Il s'y trouvait de nombreuses maisons d'assemblée, des carrefours, des venues, des auberges, des maisons de jeu, des marchés et des lieux de repos. Elle était parée de drapeaux et de festons et agrémentée de parcs merveilleux. Hors des murs de cette ville, de grands arbres et des plantes merveilleuses entouraient un lac limpide. De nombreux groupes d'oiseaux et des essaims d'abeilles y chantaient et bourdonnaient sans cesse. Les branches d'arbres poussant sur les bords du lac recevaient la poussière d'eau que le zéphyr printanier transportait depuis les chutes qui jaillissaient de la montagne glacée. Dans cette ambiance, même les animaux de la forêt devenaient pacifiques. Dénués de malveillance comme le sont les grands sages, ils se gardaient d'attaquer qui que ce soit. Par-dessus tout, le chant du coucou créait une atmosphère qui incitait tout passant, empruntant ce chemin, à venir se reposer en ce merveilleux jardin. Alors qu'il errait nonchalamment dans ce merveilleux jardin, le roi Puranjana vit tout à coup une fort jolie femme qui se promenait sans but précis. Elle était accompagnée de 10 serviteurs et chacun d'eux avait des centaines d'épouses. Cette femme était protégée de tous côtés par un serpent à 5 têtes. Elle était jeune, d'une grande beauté et semblait fort désireuse de trouver un mari qui lui convienne. Son nez, ses dents et son front étaient un enchantement. Ses oreilles gracieuses, ornées de bijoux étincelants, étaient toutes deux ravissantes. Sa taille et ses hanches étaient l'image même de la grâce. Elle était vêtue d'un sari jaune et avec une ceinture d'or. À chacun de ses pas, un tintement s'élevait des clochettes qu'elle portait aux chevilles. Elle ressemblait en tout point aux hôtes de l'Éden. Avec la partie supérieure de son sari, elle tentait de voiler sa poitrine dont les courbes jumelles étaient d'une symétrie parfaite. Timide, elle tirait sans cesse le haut de son sari sur cette poitrine épanouie alors qu'elle évoluait avec la grâce majestueuse d'un éléphant imposant. Dernier verset, 25. Les sourcils et le visage souriant de cette superbe jeune fille fascinèrent Puranjana, et il fut aussitôt transpercé par les flèches de la concupiscence. Son sourire timide la rendait plus belle aux yeux du héros qui ne put s'empêcher de lui adresser la parole. C'est pas l'histoire de Puranjana, c'est Narada Muni raconte ça à roi Prachina Bhakshishat. C'est une histoire, comme on a dit vendredi, c'est une histoire en même temps métaphorique et en même temps réelle. Très réelle. Donc, ce qui est intéressant, l'histoire que Narada Muni raconte, c'est une histoire qui est pleine d'enseignements. Aujourd'hui, la science moderne n'a pas cette méthode d'enseignement de Srimad Bhagavatam. Si vous vous souvenez, vendredi dernier, nous avons bien parlé de différences d'enseignement, de type d'enseignement, l'enseignement de la Bhagavad Gita et l'enseignement de Srimad Bhagavatam. Le but est le même, mais type d'enseignement est différent. Donc,
ce matin avec Dima, on a parlé que Srimad Bhagavatam, donne tout type de connaissances, hein, sur la science physique, sur la psychologie, astrologie, géographie, l'art, sport, l'art de la guerre, architecture, etc. Mais, car cet enseignement est un type d'enseignement où tout est mis dans le contexte, cet enseignement est favorable pour l'humanité. Tandis que quand cet enseignement est extrait de Srimad Bhagavatam, comme aujourd'hui on a fait, vous voyez, donc il devient nocif, dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il est décontexté. Décontextualisé. Merci. Il y avait une anecdote. Quelqu'un est monté sur un arbre très très haut et il n'arrivait pas à descendre. Et du coup, tout le village est venu pour lui sauver parce qu'il n'arrivait pas à descendre. L'arbre était trop grand et on ne savait pas comment lui aider. Et puis, il y en a un qui arrive, il dit, je sais comment faire. Il dit, comment ? Il dit, apportez-moi une longue corde. On lui apporte une grande corde, il prend un bout de corde, il lance à cet homme qui est au sommet de l'arbre, il dit, tiens-moi bien, attache-toi. Il s'est attaché, il a donné ce bout de corde aux autres, il dit, tirez. Et cet homme tombe par terre, il meurt. Et tout le monde dit, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que tu as fait? Etc. Il dit, c'est bizarre, moi aussi je ne comprends pas. Hier, on a sorti un homme d'un puits de la même méthode. Oui, ça veut dire, quand on utilise quelque chose hors contexte, ça ne marche pas. Pareil, les règles et prescriptions dans notre satana, ils sont bonnes seulement quand ils sont dans le contexte. Hors contexte, ça ne marche pas. Par exemple, vous êtes devant la porte de temple, vous êtes en train de vous préparer pour entrer dans la salle de temple et vous voyez que le rideau de l'hôtel commence à brûler. Et vous dites, attends, je ne peux pas courir et éteindre parce que c'est interdit, je ne peux pas entrer avec mes chaussures dans la salle de temple. Bon, tu enlèves tes chaussures et ça brûle, ça continue à brûler. Je dis, mais attends, tout d'abord, il faut que je présente mes hommages à Srila Prabhupada, à Tulasi, après à Krishna, le temps que tu vas faire tout ça, l'hôtel va brûler. Ça veut dire que tu respectes les règles et prescriptions, mais l'hôtel est en train de brûler, ça va brûler. Donc c'est hors contexte. Le contexte, c'est toujours comme ça. Et parmi toutes les règles et prescriptions, il faut toujours choisir celui qui est le plus important. Parce que toujours dans votre pratique spirituelle, vous allez rencontrer toujours les règles qui l'un empêche à appliquer l'autre. Il y aura toujours ça, vous allez voir. Mais toujours, il faut donner la priorité aux règles qui est le plus important. Par exemple, c'est quoi qui est plus important ? Nourrir les dévots qui sont venus, hein, distribuer le prasad, ou s'asseoir et chanter ses tours, etc. Non. Plus important, les dévots sont venus, ils ont besoin de prasad, et moi je dis, attendez, je dois chanter mes tours, après je dois chanter mon Gayatri, quand je finirai, comme ça je vais vous distribuer le prasad. Non. Les dévots sont en priorité que ma vie spirituelle personnelle. Donc les dévots sont en priorité toujours. Vous voyez ? Ça, c'est un contexte correct. Pareil, aujourd'hui, nous voyons même les dévots. En fait, je ne sais pas à quel point on peut les appeler dévots, ça veut dire ceux qui pratiquent, qui sont dans notre mouvement,
qui font la même erreur. Ils commencent à extraire la psychologie, extraire la sociologie, extraire l'architecture, etc., du contexte de Srimad Bhagavatam, et ils enseignent aux autres et ils pratiquent eux-mêmes aussi. Donc c'est décontextualisé et ça devient très nocif et très dangereux pour ce temps. Pourquoi ? Parce que Srimad Bhagavatam, il donne chaque connaissance, donne dans une certaine harmonie. Quand c'est tiré de l'harmonie, il ne devient pas digeste, il ne devient pas assimilable. Comme par exemple, si je vous donne une assiette de soupe, il y a plusieurs choses dedans, n'est-ce pas ? Et vous mangez, c'est une harmonie. Chaque chose, chaque élément qui est dans la soupe, il est bon, n'est-ce pas ? Mais si je fais un extrait, par exemple, j'extrais le sel de soupe et je vous donne du sel, vous ne pouvez pas manger. C'est mauvais, c'est dangereux. Vous comprenez ? Pour cette raison, nous devons avoir cette connaissance dans le contexte. Okay ? Donc, et là, Srinarada Muni donne dans ces versets, il donne un enseignement sur le psychisme, ou autrement dit, comment fonctionne le corps subtil d'un être vivant, et comment le corps grossier réagit au psychisme d'un être vivant. Où se trouve par rapport à ça, où se trouve l'âme, et quelle est leur liaison entre l'âme, corps et Krishna. Par exemple, le verset 11 qu'on vient de lire, verset 11, il explique l'état constitutionnel d'une âme, ce verset. Quel est l'état constitutionnel? C'est l'état que l'âme cherche toujours à être heureuse. Elle cherche toujours à être heureuse. C'est son état constitutionnel. Qu'est-ce que cette âme fait? Elle va d'un endroit à l'autre, de monde spirituel à monde matériel, de la terre jusqu'au Indraloka, d'Indraloka à Chandraloka, Svargaloka, Bhuloka, etc., etc. Pourquoi l'âme se déplace? Pour trouver en fait le bonheur qu'il cherche tout le temps. C'est l'état naturel. Okay? Sauf que quand on ne sait pas quelle est la bonne méthode, on devient comme roi Puranjana. On commence à chercher, changer nos endroits. Même dans notre mouvement, souvent on voit les dévots qui pensent tout le temps qu'ils vont changer l'endroit. Aujourd'hui c'est Paris, demain c'est Londres, après demain c'est Nouvelle-Mahapur, après je ne sais pas, Jagannathpur, et après c'est Mayapur. Tout le temps ils changent en pensant que comme ça, en changeant, ils vont tomber là où il faut. Non, ils ne pensent pas qu'en fait il faut changer ce qui est à l'intérieur. Tant qu'on n'a pas changé ce que nous avons en intérieur, dès qu'on ne développe pas le concept correct de notre pratique, on va compter toujours sur le changement d'environnement, changement de local. Pourquoi Roi Puranjana est parti à la recherche d'un endroit parfait? Parce que, comme vendredi, si vous vous souvenez, vendredi, on a parlé de comment nos sens fonctionnent. On a parlé d'adaptation des sens, comment les sens deviennent insensibles au bout d'un moment. Quand les sens sont sollicités, au bout d'un moment, ils perdent leur sensibilité. Comme on donne souvent l'exemple d'un encens, quand on allume un encens, quelqu'un qui arrive et dit « Ah, ça sent bon !» Et nous, on ne sent plus parce que notre nez est déjà habitué. Et pourtant, cette odeur est là. Mais on ne sent pas. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'information qui vient vers le nez est toujours la même. Pour qu'on sente tout le temps cette odeur, il faut que cette odeur commence à augmenter, 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 augmenter,
pour qu'on chaque fois le nez réagisse. Même le nez a ses limites. En fait, chaque sens a certaines limites. Vous comprenez ? Au-delà des limites de nos sens, nous ne pouvons pas percevoir des choses. Par exemple, vous pouvez voir un oiseau jusqu'aux 200 mètres ou 300 mètres. Plus loin, vous ne pouvez pas voir l'oiseau. Et vous pouvez considérer que l'oiseau n'existe pas. Tandis qu'elle existe, sauf qu'elle est au-delà de la portée de vos sens. Vous comprenez ? Et c'est pareil, ce n'est pas que pour les yeux, c'est pour les oreilles et pour tous nos organes. Okay ? Pour ne pas être inquiet et pour ne pas tout le temps se mettre à la recherche de meilleurs endroits, nous devons comprendre qu'en fait, chaque fois quand on arrive à un nouvel endroit, au départ c'est excitant, au départ c'est agréable, etc. Et après, ça devient quotidien. Je me souviens quand je suis venu à Paris en 1989. Je dis, wow, même l'odeur de métro, que maintenant on supporte difficilement, me semblait tellement agréable. Wow, c'était une odeur spéciale. Les magasins sentaient très, très bon. Aujourd'hui, tout ça est disparu. N'est-ce pas, Karine? C'est comme ça. Aujourd'hui, on ne les sent plus. C'est devenu quotidien. Et on cherche, oh, je vais aller à Dubaï. Ou je ne sais pas, je vais aller à New York, ou à Nouvelle-Mar, ou je ne sais pas où, parce que nous pensons que cet endroit est mauvaise, est devenu mauvaise. Non, chaque endroit devient le même. Souvent, même les gens qui vont à Vrindavan, au bout de quelques mois, ça devient quotidien pour eux. Pourquoi ? Parce qu'eux considèrent Vrindavan comme un lieu physique. Vrindavan, en réalité, se trouve dans notre conscience. Ce n'est pas un lieu physique. Si on n'a pas vrai Vrindavan dans notre conscience, tel qu'il est décrit dans Srimad Bhagavatam, nous allons visiter seulement le lieu physique. Voyez ? Et très peu de temps après, on va s'habituer. Et après, quand on sera habitué à cet endroit, on va commencer à voir des mauvaises choses. On va dire, regardez partout les canettes de coca. Là, regarde, cet homme, c'est un menteur. Et on va commencer à donner des offenses à cet endroit sacré. Vous comprenez? Roi Puranjana, il n'a pas visité Yoga Lyrique pour étudier Srimad Bhagavatam. C'est pour ça qu'il comptait sur le changement de situation. Et il est parti à la recherche d'un endroit alternatif pour trouver un lieu où ses sens seront de nouveau excités pour qu'il se sente heureux. Vous savez, en général, l'homme a cette sensation de bonheur. Vous savez à quel moment, quand il a ses sens excités. Regardez par exemple les gens. À quel moment ils se sentent heureux? Quand ils sont en train de fumer, manger, boire, parler, ça veut dire être dans une situation excitée. Dès que cette excitation disparaît, ils pensent que ce n'est pas normal. Ils pensent qu'ils sont malades parce qu'ils ne sont pas excités. Ils disent « Non, ça ne va pas, je me sens comme un légume ». Non, ça ne va pas. Donnez-moi un café. Bon. Ah, là, maintenant, la vie est revenue. Ça veut dire qu'on cherche tout le temps l'excitation. Ce qui se passe, vous voyez, comme Narada Muni décrit, il dit qu'il a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Mais chaque fois, c'était la même chose. Au départ, c'était excitant. Okay, mais après, ça revenait toujours à la même chose. Je connais par exemple un dévot qui s'est remarié 5 fois. Et chaque fois, il pensait que bon, cette fois-ci, ça sera la meilleure fois.
parce que jusqu'à maintenant, je ne comprenais pas comme ça. Après, il se remarie. Il dit, bon, non, cette fois-ci, j'ai compris. Cette fois-ci, j'ai... Et chaque fois, c'était la même chose. Ben, c'est pareil comme avec roi comme avec roi Puranjana, c'était la même chose. Chaque fois, il pensait que, waouh, cette fois-ci, ça, c'est extraordinaire, etc. Et chaque fois, ça revenait au même. Et là, vous allez voir qu'en fait, cette fois-ci, quand il a rencontré cette femme, au final, ça va être la même chose. Hein. La définition du bonheur, excitation, ou c'est hein? Juste, vous avez dit que la définition du bonheur, c'est cette excitation, c'est juste pour les gens limités. Oui, en fait, je vous explique pourquoi en fait ça se passe, pourquoi nous nous sentons heureux ou nous nous sentons bien quand on est excité. Vous savez pourquoi? Parce que au moment d'excitation, le lien entre le mental et notre intellect affaiblit ou complètement coupé. Quand c'est coupé, on n'a pas accès à notre mémoire. Dans notre mémoire, on a toujours des problèmes, on a l'idée de la mort, de solitude, etc., etc. Pourquoi les gens qui ont des problèmes, ils commencent à boire ou utilisent la drogue? Pourquoi? Justement, quand ils boivent, donc la mémoire est coupée, ils pensent qu'ils sont heureux. Ah, ça n'existe pas. Dès que l'influence de drogue est partie, ça revient. Ah oui, je suis malheureux. Pour les vacanciers aussi. Tout le monde, oui. Peu importe quel type d'excitation. Ça peut être dans un des versets qu'on a lu. En fait, cette femme qui avait 200, et Srila Prabhupada explique qu'en fait, ces 200, c'est quelque chose qui est attirant et dégoûtant. Mais il dit, mais les deux sont pareils et ils font le même effet sur l'homme. En fait, et la chose agréable et la chose dégoûtante, nous nous attachons à deux choses d'une façon pareille. Et quelque chose qui est décevant, repoussant, en fait, ça excite aussi. Ne pensez pas que les choses dégoûtantes ne sont pas excitantes. Ils excitent aussi. Quand par exemple, nous étudions Srimad Bhagavatam et nous comprenons que nous devons être tolérants, nous devons être miséricordieux, compassionnés, etc., etc., n'est-ce pas? Et tout ça, c'est écrit dans notre intellect. Mais dès qu'on rencontre quelqu'un qui est dégoûtant, qui sent mauvais, tout de suite, le lien avec notre intellect est coupé, on oublie que avec lui aussi, on doit être patient, on doit être avec cette personne, on doit être miséricordieux, compassionné. On oublie tout de suite. Pourquoi? Parce que ça amène une excitation. Donc, tout type d'excitation, en fait, tout type d'excitation coupe le lien entre le mental et notre intellect. Vous voyez? Donc, Narada Muni explique que chaque fois, roi Puranjana, il cherchait une excitation, un plaisir de sens, et c'est pour ça qu'il changeait toujours les endroits, mais chaque fois, il y avait un manque. Il y avait toujours un manque. On a bien analyser ce manque vendredi, si vous vous souvenez, on a dit que il y a toujours un manque. Par exemple, on a gagné 1000 euros, on dit waouh, c'est cool, mais après on voit que en fait il y a des choses qui coûtent 2000. On dit bon non, il faut 2000. Quand on a 2000, on voit qu'il y a des plaisirs qui coûtent 5000. Après, quand on a 5 000, on dit, non, mais il y a des
un million, après 10 millions, 100 millions, 1 milliard, on n'est jamais satisfait. D'où vient cette insatisfaction? Ça ne vient pas de nécessité. Ce n'est pas une nécessité, ce sont des nécessités créées, faux besoins. On les appelle les faux besoins. Et ces faux besoins, en fait, torturent les gens. Si vous analysez comment la société moderne vit, vous allez voir qu'à travers la publicité, nous créons les faux besoins chaque jour. On n'a pas besoin de tout ça. L'homme a besoin juste manger, dormir et étudier chez le Bhagavatam. On n'a pas besoin de tout ça. Même on n'a pas besoin de sécurité sociale. On n'a pas besoin de... Parce qu'un dévot, un dévot qui s'est abandonné à Krishna, il n'a pas peur de tomber malade ou de mourir. Vous voyez? On a besoin de mutuelles et tout ça parce qu'on a peur. On a peur de mourir. On pense que ah, ouais, je vais mourir. Oh non, ça ne va pas. Non, je ne vais pas mourir. Pour un dévot, il n'y a pas de différence. Il sait qu'il va mourir. Si ce n'est pas demain ou aujourd'hui, c'est un jour, il va mourir. Et il accepte ça. Il n'a pas peur de ça. Mais c'est vrai, nous lançons toujours les faux concepts, les faux besoins. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on est allé tellement loin. Krishnadas Kaviraj Goswami appelle ça Kaitava. Kaitava veut dire fausse piste. Fausse piste que nous suivons partout. Par exemple, la dernière ou avant-dernière fausse piste lancée, c'était self-love. C'est une fausse piste lancée. Et les gens étaient « Ah, oh, self-love, self-love ». Avant ça, c'était vegan. Vegan, non, nous sommes vegan, des vegans. Tout ça, c'est des fausses pistes. Et Krishnadas Kaviraj Goswami dit même artha, dharma, artha, kama, moksha est aussi une fausse piste. Hein? C'est comme ça, c'est ça, non? Si je... Ok. Donc... Ah, pardon. Krishnadas Kaviraj Goswami, même dharma, karma, dharma, artha, kama, moksha, il considère comme un kaitava, comme une fausse piste. Et pourtant, tout le monde dit, ah, dharma, artha, kama, moksha. Dharma, c'est le devoir. Artha, c'est ce qui est produit pour le plaisir. Kama, c'est le plaisir. Et moksha, c'est la libération. Et Krishnadas Kaviraj Goswami, il appelle ce Kaitava, c'est une fausse piste. Malheureusement, aujourd'hui, même système Varnashrama Dharma, il appelle fausse piste, Krishnadas Kaviraj Goswami. Donc, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, les dévots sont convaincus qu'absolument, il faut qu'on ramène ce système de dharma, artha, kama, moksha, et il faut qu'on amène le système varnashrama dharma. Tandis que les Vaishnavas, les purs Vaishnavas, depuis des siècles et des siècles, ils se sont battus pour amener, pour amener sur premier plan le bhakti, la dévotion. Okay? Parce que dharma, artha, kama, moksha ne va jamais nous amener à la dévotion. Varnashrama Dharma ne va jamais nous amener à la dévotion. C'est pour ça que c'est une fausse piste. Vous voyez? Et Roi Puranjana s'est engagé dans une fausse piste. Peut-être vous allez dire qu'Akshananda est très strict, très réactionnaire, radicaliste, etc. Mais moi, je répète ce que les acharyas disent. Hein.
Si vous me considérez comme un radicaliste, ça veut dire que vous, vous considérez les acharyas aussi radicalistes. L'âme, même si une personne applique le système de dharma, artha, kama, moksha et le système varna, shrama, dharma, hein, il ne sera jamais satisfait. Pourquoi? Parce que la vraie satisfaction vient seulement quand l'âme est nourrie, quand l'âme reçoit en fait le nectar de Krishna. Le nectar de Krishna sous différentes amritas. Hein? Namamrita, bhavamrita, premamrita, kathamrita. Vous savez qu'est-ce que c'est amrita? Amrita, c'est le nectar. Quand tu vois et tu n'as plus besoin de rien et tu ne meurs pas. Amrita, amrita, c'est mourir. Amrita, c'est ne pas mourir. Oui. Et tous ces amritas, hein, que je viens de citer, tous ces amritas n'existent pas dans le système Varnashrama Dharma ou dans le système Artha, Dharma Artha Kama Moksha. Même si vous le essorez, presserez, ça ne va jamais sortir. Krishna Mamrita sort d'où? Dharmamrita sort d'où? C'est deux endroits différents. Ce n'est pas le même fruit que vous allez presser. Vous comprenez? Kathamrita, hein, le nectar de description de divertissement de Krishna vient de Srimad Bhagavatam. Si vous prenez les Dharma Shastra, les shastras qui expliquent qu'est-ce que c'est dharma, le devoir de chaque être vivant, même si vous le pressez tant que vous voulez, il y aura quelque chose, mais ça ne sera pas cette kathamrita, ça sera autre chose. Vous comprenez? Donc là, Narada Muni explique que roi Puranjana, hein, il était sur une fausse piste. Et si vous vous souvenez, on a dit que dans le verset, il était appelé comme un grand roi célèbre, etc. Mais en fait, toute chose célèbre était parce qu'il a réussi sur Varnashrama Dharma et il a réussi sur Dharma Artha Kama Moksha. Il a réussi sur ces deux. C'est pour ça qu'il est... Il est devenu célèbre, etc. Mais sur le chemin de Bhakti, en fait, il n'a pas réussi. Mais, ce qui est intéressant, c'est que quand même, il respectait les shastras. Il voulait respecter les shastras. Les écrits sacrés, il voulait respecter. Même s'il n'a pas compris le sens, etc., etc., il voulait que tout soit selon les écrits. Donc, c'était son bon côté. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait que des mauvais côtés. Donc, dans ces recherches, en fait, de changement d'endroit, d'un endroit à l'autre, il est arrivé à Bharatavarsha, en Inde. En fait, pourquoi? En fait, l'Inde, depuis la naissance de l'humanité sur la Terre, l'Inde était toujours l'endroit où il y avait la source de tout type de connaissances spirituelles. Chaque fois, même quand c'était un Shakti Avesha Avatar ou autre, qui naissait, qui apparaissait sur la terre, elle venait toujours en Inde pour recevoir les bénédictions et l'enseignement. La même chose se passait même avec Jésus-Christ. Toujours c'était la source de tout type d'enseignement spirituel. Et comme ça, car roi Puranjana,
en voyageant dans différents endroits, il ne trouvait pas en fait un concept existentiel, final, définitif, qui pouvait lui sauver en fait de toutes sortes d'insatisfactions, etc. Hein? Il est arrivé en Inde. C'est comme nous, quand on cherche, on lit ce livre, l'autre livre sur la psychologie, astrologie, sciences modernes, etc., sur self-love, etc. Et un jour, Krishna dit, ok, j'ai pitié de toi, tiens la Bhagavad Gita. Il nous donne la Bhagavad Gita, on trouve en fait. Pareil en fait, dans ses recherches, Roi Puranjana enfin est tombé à Bharatavarsha. Donc on sait que Bharatavarsha, c'est le nom védique de l'Inde. Et il dit que là, il a vu une ville avec 9 entrées, 9 portails. Ça veut dire, hein, qu'est-ce que c'est cette ville avec 9 portails? C'est le corps grossier. Le corps grossier, c'est la ville avec 9 portails. Donc, 1, 2, 2 yeux, 2 oreilles, ça fait 4, 2 narines, ça fait 6, 7, la bouche, anus et les génitaux, ça fait 9. Okay? Donc, ces 9 entrées, en fait, qui sont des entrées, comme dans la ville, il y a des portes, hein, par exemple Paris aussi, porte dorée, porte de Versailles, porte de Clignancourt, etc. Pareil, notre corps aussi a des différentes portes d'entrée. Okay? Donc, tout pénètre vers l'intérieur, en fait, tout type d'informations pénètre dans notre corps à travers ces 9 portails. Ça veut dire, c'est très important, je veux bien que vous compreniez, ça veut dire qu'il a compris qu'en fait, il ne faut pas chercher à l'extérieur de nous, il faut chercher à l'intérieur de nous. Ok ? Il faut chercher en nous-mêmes. Parce qu'il a eu cette expérience, il a compris qu'en changeant les endroits, rien ne change. Donc il a compris qu'il faut changer soi-même. Donc, et soi-même, ça, c'est la première perception de soi, hein, sur laquelle il est arrivé, c'était la perception de soi grossière, corporelle, que je suis ce corps, donc qui a 9 portails, et chaque porte, hein, c'est une entrée de plaisir. Donc, il a compris ça. Il faut chercher là. Okay? Donc, et donc, il y a une description, en fait, il y a une description de cette ville, hein, qui décrit sous une forme métaphorique, décrit les différentes, nos différents sens, comment ils fonctionnent. Hein. Par exemple, les yeux, les yeux sont comparés avec les portes qui se ferment et qui s'ouvrent et qui se ferment. Vous voyez, nos yeux ils se ferment et s'ouvrent. En fait, c'est pas par hasard. En fait, tous nos sens, ont les facultés d'être ouverts et être fermés. Hein. Les plus faciles, en fait, ou les plus rapides, en fait, la chose, le sens qui nous coupe de monde entier, le plus rapidement, c'est les yeux. Vous voyez ? Dès que vous fermez les yeux, on est coupé tout de suite de la réalité. Après, nous commençons à entendre, etc., etc. Non, mais la première qui coupe vraiment de l'extérieur, c'est les yeux. En général, les yeux sont
placé parmi les sens, ils ont placé la plus haut. Hein? Regardez. Après, les oreilles, après, c'est la langue. Le nez, après, c'est la langue. Et ça descend comme ça, petit à petit, ça descend. Les sens qui se trouvent le plus haut, ils ont la tendance de rester plus souvent ouverts, tandis que les plus on descend, ils ont la tendance à rester plutôt fermés. Comme les génitaux et l'anus, ils ont la tendance de rester toujours fermés, moins actifs. Plus on, en fait, Krishna a placé dans le corps l'essence de telle façon, c'est que ceux qui sont le plus utilisés se trouvent le plus haut. Après, ce qu'on utilise le plus, c'est les oreilles. On entend. Et après, c'est le nez. Est-ce qu'on respire, on sent, etc. Après, c'est la bouche, manger, parler, etc. Vous voyez? Comme ça, les fonctions sont moins importantes. Et si vous voulez, les fonctions les moins importantes, c'est les génitaux et l'anus. Mais aujourd'hui, la société moderne donne le plus qu'aux yeux, dans l'importance à l'anus et les génitaux. L'anus, c'est aussi important si ça sort pas. Oui, mais tu ne le fais pas ça 8 heures par jour. Tandis que les yeux et le nez, ils sont tout le temps activés. Tout le temps. Nez, on respire. Si on ferme les yeux, on ne va pas mourir, mais si on ne respire pas, on va mourir. C'est pas la question de mourir. Si on te coupe l'anus et les génitaux, tu peux mourir aussi. C'est pas ça. C'est à quel point on active. On les active. À quel point... Je ne comprends pas cette activation. C'est lié avec quoi ? L'information. Le recueil d'informations et aussi la perception du monde. En fait, la perception du monde, on a tout d'abord à travers les yeux. Ensuite, la perception du monde, nous avons à travers les oreilles, à travers le nez, après à travers la bouche, etc., etc. Ok ? Les sens, en fait, ont été créés au début de la création de ce monde matériel. Okay? Mais ils sont créés d'une façon extraordinaire. La création de chaque sens est couplée avec deux autres éléments. Par exemple, quand il y a le son qui apparaît, dès que le son apparaît, en même temps, il y a l'espace qui apparaît, l'oreille, son. Okay. Son, espace, oreille. Donc, ils apparaissent en même temps. Ou, comment on dit ça, nous? Simultanément. Oui. Oui. Lui. Capacité d'écouter. Voilà, capacité d'écouter. Ça veut dire capacité d'écouter le son qui est objet de sens et l'oreille qui est le sens même. OK? Pareil, par exemple, l'air qui apparaît, en fait, c'est le toucher qui apparaît, la peau qui apparaît. En même temps, ces choses-là, ils apparaissent en même temps. Hein? Comme par exemple, la langue apparaît quand il y a l'eau qui apparaît, l'eau et le goût. Mais ils sont créés tous en même temps. Mais le goût, en fait, le goût, l'ouïe, le toucher, etc., ce sont des sens subtils. Ce sont des sens subtils et les sens grossiers, en fait, c'est la langue, l'oreille, etc. En fait, le goût ne se trouve pas sur la langue comme nous croyons. Tout le monde est convaincu que le goût est sur la langue. Le goût n'est pas sur la langue. Le goût est dans le sens subtil. Parce que le goût, c'est le sens subtil. Ce n'est pas la langue qui ressent le goût. C'est la faculté de sentir le goût. Vous voyez ?
C'est ça qui se trouve dans notre conscience. En fait, tous nos sens, ces divers aspects de notre conscience. C'est pour ça que tout se trouve en réalité dans la conscience. Donc le goût, en fait, c'est un phénomène d'être conscient que je sens salé. Qu'est-ce que c'est le goût salé, par exemple? Je suis conscient. Je suis conscient que cette tomate est salée. Je suis conscient que ce halva est sucré. Voyez? Le goût, c'est une forme de conscience. Je regarde, je suis conscient que vous êtes là. La vision, c'est être conscient. Être conscient que vous êtes là, être conscient qu'il pleut. Est-ce que je vois ça? Vous comprenez? En fait, tout ça, ce sont des diverses manifestations de la conscience. Je sais que c'est compliqué, j'explique des choses compliquées, mais c'est important. Et aussi, quand on parle de comment contrôler nos sens, hein, par exemple, ne pas arracher la peau sur les lèvres, en fait, le problème n'est pas dans... Il ne faut pas contrôler les doigts et les lèvres, il faut contrôler le sens qui, en fait, dirige ce processus. Vous comprenez? C'est pour ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, quand Krishna donne l'exemple de tortue, il dit qu'au moment du danger, la tortue rentre ses membres de corps pour éviter tout type de danger. Donc, tout en premier, on doit couper les sens grossiers. Mais après, on doit couper les sens subtils. Parce que je vois une jolie femme, je ferme les yeux, mais elle est dedans. Maintenant, cette femme se trouve sous la forme subtile. Vous comprenez? Si je ne vire pas d'ici, je ferme, j'ouvre, c'est la même chose. Vous comprenez? Elle est déjà entrée par les portes. Hein? Par cette porte-là, elle est rentrée, donc il faut que je la vire de ma conscience. Vous comprenez? C'est pour ça que dans cette hiérarchie, hein, dans cette hiérarchie de sens, nous devons pouvoir placer l'âme la plus haut. Quand on place l'âme la plus haut, après l'âme, c'est le ego, le vrai ego. Après le vrai ego, c'est le faux ego. Et après le faux ego, c'est l'intellect. Après l'intellect, c'est le mental. Après le mental, les sens d'information. Et après les sens d'information, les sens d'action. Ensuite, comme ça, vous avez compris que l'être vivant est composé que des sens, il n'y a pas d'autre chose. Nous sommes composés des sens, il n'y a pas d'autre chose. Vous comprenez? Par exemple, les yeux sont là, ok? Mais là, il y a aussi le sens. Vous voyez, je touche. C'est le toucher. Même si je touche moi-même de l'intérieur, je touche mon estomac, je vais toucher je vais sentir le toucher. Vous savez que l'organe le plus grand organe et le plus grand sens de l'homme, c'est le toucher. Parce qu'il est partout. Il est partout. Et de l'extérieur, et de l'intérieur. Il est partout. Okay? Donc, l'être vivant est composé complètement de sens. À part des sens, il n'y a rien d'autre. Des sens grossiers, des sens subtils, etc. Donc, nous devons comprendre l'hiérarchie de ces sens, hein, pour pouvoir les engager dans la conscience de Krishna. Dans un des commentaires à ces versets, Srila Prabhupada, il dit que celui qui comprend en fait ce système de hiérarchie qu'il comprend, et il est engagé dans le service de dévotion, il peut utiliser et la cupidité
et la colère et la concupiscence dans sa pratique spirituelle. Donc, il dit que Narada Muni, il raconte que les maisons de cette ville, les maisons de cette ville avaient les couvertures en fer, en argent ou en or. Et c'est l'idée, les toits de ces maisons étaient couverts ou par fer ou par l'argent ou par l'or. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est la signification de maison? Maison, c'est un endroit où nous nous sentons chez nous. Et nous pensons qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, manger tant qu'on veut, dormir tant qu'on veut, parler ce qu'on veut, etc. etc. Et c'est expliqué qu'en fait, cette idée, ce concept se trouve sous l'influence de trois gunas. Le toit de fer, c'est tamaguna, le toit d'argent, c'est rajaguna, et le toit d'or, c'est sattvaguna. En fait, nous nous permettons de rester libres dans notre demeure selon le guna. Si on est sous sattvaguna, on organise notre maison de l'intérieur d'une façon sattvique. Si on est dans tamas, dans notre maison, tout est dans désordre, sale, ça sent mauvais, et nous pensons que c'est normal. C'est comme ça que ça doit être. Voyez? Et si nous sommes en rajas ou en sattva, nous organisons en fait notre vie dans notre demeure d'une façon différente. Donc, par la suite, Narada Muni explique que cette ville s'appelait Bhogavati. Hein? Bhoga veut dire ce qui est pour être juif. Hein? De quoi on jouit. Hein? Ça va être bhoga. Vati, c'est comme une chute d'eau ou arrivée cascade. D'eau. Cascade, voilà. Voilà, ça veut dire bhoga vati, ça veut dire que le bhoga, le plaisir, le bhoga, la possibilité de jouir, vient comme ça, comme non, pas source. Cette chute comme ça, courant, c'est courant de Bhoga. Bhogavati, on peut traduire comme courant de Bhoga, qui arrive comme ça. Et d'une façon métaphorique, il est expliqué quel type de plaisir on pouvait avoir dans cette ville, et il a expliqué que même s'il y avait beaucoup de maisons différentes dans la ville, et comme nous avons dit, en fait, la maison est comparée avec des différents sens, Narada Muni explique qu'au milieu de cette ville, Bhogavati, se trouvaient les meilleures maisons qui brillaient, qui étaient jolie, bien incrustée avec des différentes pierres précieuses, etc. Et je ne crois pas d'expliquer que, en fait, les maisons
qui brille au milieu de la ville, c'est le cœur d'un être vivant. Donc, c'est comme, par exemple, chaque ville a la mairie de la ville, et la mairie de la ville, en fait, réunit toutes les maisons, toutes les propriétés de cette ville, il se trouve au centre. Et en fait, toutes les autres propriétés fonctionnent selon les lois que mairie établit, que la mairie établit. Okay? Pareil, en fait, chaque être vivant a un concept de l'existence. Et ce concept de l'existence réunit ses sens. Et quand l'homme arrive à cette... cet état où il commence à sentir quelque chose directement avec son cœur, en fait, cette humeur est répartie dans tous nos sens. Par exemple, quand on parle de niveau Bhava Bhakti ou Prema Bhakti, dans ce niveau-là, l'être vivant, il commence à aller plus haut que les sens séparés. Il commence tout sentir à travers le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire sentir à travers le cœur? Par exemple, je vois quelque chose d'agréable, okay? ça ne touche pas que mes yeux. En fait, cette sensation agréable va tout de suite être repartie dans mes oreilles, je me sens bien, sur ma peau, je me sens bien, dans mon estomac, je me sens bien, dans mon nez, je me sens bien, dans ma tête, je me sens bien partout. Ça s'appelle sentir avec le cœur. Hein? Pareil, quand quelqu'un est dans une extase spirituelle, okay, cette extase spirituelle lui permet de faire repartir en fait ce bhava dans tous ses sens. Ça repart tout de suite. Hein? N'importe quel, par exemple, si c'est un extase pranaya, cet extase pranaya va tout de suite être reparti dans toutes ses parties de corps. C'est pas seulement dans son mental, il va sentir pranaya, il va sentir partout dans tous les membres de son corps. Okay. Hare Krishna, je vous demande juste de chanter un peu Hare Krishna, je reviens. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Merci Hare Krishna. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? À un moment de la conférence, vous avez dit, oui, vous avez dit que même la concupiscence peut être utilisée dans le service dévotionnel. Est-ce que vous pourriez peut-être développer? Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est la concupiscence? En fait, la concupiscence, c'est une énergie originellement, c'est une énergie qui est originellement et l'adini shakti, l'énergie de plaisir. Sauf que chaque énergie, dans différents contextes, agissent d'une façon différente. Par exemple, prenons l'eau. L'eau est aussi une énergie, matérielle, n'est-ce pas? C'est l'eau. Quand vous mettez l'eau dans le congélateur, donc où la température est trop basse, ça veut dire que vous changez les conditions de l'existence de l'eau. Et du coup, elle change en fait ses caractéristiques. Elle devient dure, n'est-ce pas? Elle ne coule plus, etc. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis dans des conditions différentes. Quand vous mettez l'eau dans le bouilloire, ça commence à bouillir et elle prend une autre forme, la vapeur. Elle devient comme un gaz. Mais c'est la même eau. Les nuages, c'est de l'eau. Les nuages, c'est de l'eau. Mais pourquoi, pour nous, l'eau doit couler? Pourquoi les nuages ne coulent pas? Parce qu'ils c'est l'eau qui a changé en fait ses caractéristiques selon la situation précise. Pareil, la Dini Shakti, l'énergie de plaisir, quand elle commence à agir dans le monde matériel, parce que si vous n'avez pas ces trois types d'énergie dans le monde matériel ne peut pas fonctionner. Nous avons trois types d'énergie. C'est Sandini Shakti, l'énergie de l'existence, Sambit Shakti, l'énergie de la connaissance, et Ladini Shakti, l'énergie de plaisir. On doit avoir tous ces trois-là pour que le monde matériel fonctionne. Par exemple, si vous n'avez pas ces trois types d'énergie dans le monde matériel, les trois gunas ne vont jamais être manifestés. Les trois gunas d'énergie matérielle se manifestent quand il y a ces trois, par exemple, quand Sandini Shakti rentre en contact avec l'énergie matérielle manifeste Shri, Sattva Guna. Quand Sambit Shakti rentre en contact avec l'énergie matérielle manifeste en fait sa qualité de l'ignorance, de tamas. Et quand c'est la Dini Shakti qui rentre en contact avec l'énergie matérielle manifeste Rajaguna. Okay? Sinon, si vous n'avez pas ces trois-là, l'énergie matérielle va rester neutre. C'est grâce à la présence de ces trois types d'énergie que l'énergie matérielle est activée et qu'elle fonctionne. Pourquoi j'ai expliqué ça? Pour qu'on comprenne que sans comprendre ça, nous ne pouvons jamais utiliser notre concupiscence
dans la conscience Krishna, dans la pratique dévotion. Quelle est la nature de la concupiscence? La nature de concupiscence, c'est posséder. C'est posséder des choses. Ne pensez pas que la concupiscence, c'est seulement concerne la relation entre hommes et femmes et là seulement la nature sexuelle. Non. Par exemple, le désir de la gloire, c'est aussi la concupiscence. L'avarice ou la cupidité, c'est aussi la manifestation de concupiscence. La haine, impatience, vous voyez, tout ça en fait, c'est les diverses formes de la concupiscence, insatisfaction, etc., etc. Il y a plusieurs types de manifestations, plusieurs aspects. Et quand un dévot comprend tout ça, en fait, dès qu'il a décidé qu'il va utiliser même sa concupiscence dans le service dévotionnel, à l'aide de sa conscience, à l'aide de sa conscience et à l'aide des concepts de Shastra, des écrits sacrés, il applique en fait cette énergie dans son service. Par exemple, prenons une forme de concupiscence comme la cupidité. Je veux encore et encore et encore et encore et encore. Comment utiliser ça? En fait, je peux utiliser et appliquer ça dans le champ de Hare Krishna Mahamantra. Je chante 16 tours, je vais chanter encore. Je vais chanter encore. Et encore, je vais chanter. Et encore. Vous voyez? Vous utilisez cette capacité, cette faculté de la concupiscence, vous utilisez dans le service dévotionnel. Ou la même cupidité, hein? Servir les dévots. Moi, je vais encore servir, et encore servir, et encore servir, et encore servir les dévots. Vous voyez? C'est comme ça, en fait, que nous pouvons appliquer en fait, ça dans la conscience Krishna. Mais tant qu'on n'a pas compris ce que j'ai expliqué au début, nous ne serons pas armés pour pouvoir l'appliquer. Mais de l'autre côté, quand quelqu'un fait trop un service et est fatigué, on dit, c'est le rajas, ne fais pas beaucoup parce qu'après tu vas être tellement fatigué, tu ne pourras plus rien faire. Comment trouver l'équilibre ou s'arrêter? Donc quand il s'agit d'un dévot, on ne doit pas avoir peur parce qu'un dévot a guru. Quand on a un guru, nous sommes protégés. Guru va dire ne fais pas beaucoup, c'est ça? Donc, c'est va ça, dire, ça jusque-là, ça va. Par exemple, j'ai décidé de chanter 300 tours par jour. Je sens, le guru dit, ok, tu peux chanter 32. C'est que quand on dit bhakta, donc on sous-entend qu'il a un guru. Avoir un guru, ça ne veut pas juste dire être initié. Être initié et avoir un guru, ce n'est pas la même chose. Avoir un gourou, ça veut dire prendre les instructions de gourou et les appliquer. Celui qui n'applique pas les instructions de gourou, il n'a pas de gourou, même s'il est initié. Donc celui qui a un gourou, il est protégé. Donc utiliser son raja, ce n'est pas juste chanter plus le mantra, ça peut être n'importe quel service. C'est un exemple. Par exemple, servir le dévot. Nettoyer le temple. Mais s'il a un gourou, il va dire, là, stop, par exemple, tu as déjà bien nettoyé,
Là, à partir de 3 heures, tu vas chanter tes tours. Après, juste quand tu as chanté tes 60 tours, tu vas nettoyer l'hôtel de Tulasi. Il a un gourou. Donc, quand on a un gourou, on est protégé. Quand on n'a pas de gourou, on n'est pas protégé. Et ma question, c'était juste le complément par rapport à la question de Denis. Ma question, quand tu disais Varnashrama Dharma ne va jamais nous ramener vers Krishna. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Parce qu'on ne peut pas dire aussi que notre société qu'on vit actuellement, ça va nous ramener vers Krishna. La société lui-même, quand on dit Varnashrama Dharma, on parle de ce système de la société. Tu dis ça ne va jamais ramener. Et notre société aussi, ça ne va jamais ramener. Oui. Dans quel contexte tu voulais dire ça? Ça veut par pas rapport... dire que si on ne suit pas Varnashrama Dharma, on va arriver à Krishna. Non, il faut qu'on suive le principe de Bhakti, Bhakti Marga, le chemin de Bhakti. Donc, tu voulais dire n'importe le système. Peu importe. Système. Vous n'avez pas remarqué. C'est pas ça. On crée le socialisme, communisme, anarchisme, capitalisme, rien ne marche. Parce que chaque fois, on cherche une alternative au système de Varnashrama. Chaque fois, on cherche une autre alternative, encore une autre alternative. Mais ça ne marche pas. C'est pour ça que la seule voie, c'est la voie de Bhakti. Hare Krishna. Hare Krishna. Concernant la perception par les sens au niveau du corps grossier, donc ça existe au niveau grossier, enfin plutôt l'origine, elle est dans elle est au niveau subtil. Donc a priori, lorsqu'on quitte le corps grossier, toute la perception est conservée, si je comprends bien. Mais d'un autre côté, j'ai entendu que les entités présentes sous cette forme subtile désirent avoir un corps grossier pour pouvoir en jouir. Donc pourquoi en fait, comment se fait-il qu'elles aient la perception, mais en même temps ne peuvent pas en jouir? En fait, nous voudrions toujours une preuve que cette chose se passe. Et tant que ça ne se passe pas sur le niveau grossier, on n'est pas convaincu que ça existe ou c'est vrai. Parce que nous sommes tellement habitués à ce niveau partiva. Partiva, c'est l'existence grossière. On est tellement habitués que tant que ça ne se manifeste pas sur la plateforme grossière, nous ne sommes pas satisfaits. C'est pour ça que, par exemple, les fantômes, les esprits, etc., ils trafiquent le corps de quelqu'un pour pouvoir jouir sur la plateforme grossière. C'est juste la question d'habitude. Mais il y en a qui préfèrent rester comme ça. Autre chose aussi, c'est l'idée de communication. En fait, les corps subtils, hein, qui sont restés sans corps grossier, ils peuvent se communiquer entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent sur la même plateforme d'existence. Ils ne sont pas sur la plateforme grossière, ils peuvent communiquer. Mais quand je veux communiquer avec quelqu'un qui se trouve sur la plateforme grossière, donc j'ai besoin d'un corps grossier pour arriver à communiquer avec quelqu'un comme ça. Par exemple, Brahma et tous les habitants de Svargaloka, il vit sur place, il vit dans le corps subtil pour éviter toutes sortes d'occupations inutiles.
nourrir le corps, nettoyer le corps, etc., etc. Ils vivent dans le corps subtil. Mais ils sont complètement satisfaits de rester dans le corps subtil. Pourquoi? Parce que eux, ils s'occupent de leur activité sur place, c'est l'activité méditative, l'activité complètement qui peut nous satisfaire sur le plan subtil, au niveau de mental et conscience et intellect. Tu vois? Mais quand ils veulent rentrer en contact avec les êtres vivants comme nous, ils prennent un corps grossier. Ils arrivent, ils prennent un corps grossier, ils rentrent en communication, et après ils quittent ce corps grossier, ils s'en vont. Merci. Est-ce que, juste une petite deuxième question, lorsque, par exemple, si on perçoit un objet, après on peut fermer les sens, que ce soit les yeux ou un autre sens, et l'objet reste dans notre mental. Est-ce que ça voudrait dire que l'objet existe initialement dans le mental? Comment dire, la conception de l'objet, est-ce que ça voudrait dire qu'elle est subtile? Parce que si on détruit cet objet au niveau grossier, la mémoire peut en rester dans le mental. Donc, est-ce que cela a une incidence sur... plutôt, est-ce que cela détermine lequel des deux était là en premier? Je ne sais pas si ça fait sens. En fait, la création du monde, c'est conceptuel. La création même, c'est conceptuel. Mais les concepts se forment sur la base d'un désir. Par exemple, une cuillère. Une cuillère, c'est un concept de manger. Hein? Prendre et mettre dans la bouche, c'est un concept. Et ce concept, quand il rentre en contact avec l'énergie matérielle, hein, l'énergie matérielle prend la forme d'une cuillère. Ok? Donc, l'idée de cuillère est initiale. Si vous avez d'autres questions. Après, donc en fait, samedi, j'ai donné une conférence le matin sur Skype sur un verset où dans le commentaire, Prabhupada disait qu'il faut mouler sa vie sur la vie spirituelle pour Krishna. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que souvent, en fait, on pense qu'on fait ça, qu'on moule notre vie sur la vie spirituelle, mais j'ai l'impression que souvent... on ne fait pas ça, et en plus, c'est plutôt qu'on moule Krishna sur notre vie, en fait. Et je voulais savoir comment ne pas faire ça et toujours garder cette première idée de se mouler sur la vie spirituelle pour Krishna. Je ne pourrais pas parler de sadhana bhakti. En fait, le moule, en fait, le moule, en fait, qu'est-ce que c'est un moule, hein? Par exemple, vous prenez un moule d'une forme d'une assiette, hein? C'est juste une forme, hein? Il n'y a pas d'assiette dedans, c'est juste la forme. Après, vous versez une argile liquide, après, quand c'est sec, ça devient... une assiette moulée. Ça veut dire l'assiette prend la forme de moule. Donc, sadhana bhakti, c'est un moule de dévotion. C'est pas la dévotion même, c'est le moule de dévotion. Et quand on
quand on obéit à ce moule, par exemple, quand vous versez l'argile liquide obéit à ce moule, n'est-ce pas? Pareil, quand le pratiquant, quand Sadaka, il obéit à Sadhana, il prend le moule, donc il devient un dévot, comme l'assiette. C'est ça. Donc, comment faire? Il faut tout le temps garder dans notre esprit les instructions de Guru. Le Guru, en fait, Sri Krishna Das Kaviraj Goswami dit, Guru est Krishna et il est toujours présent. Il nous enseigne de l'extérieur comme Shiksha Guru et il nous enseigne de l'intérieur comme Shiksha Guru. On a deux manifestations de Krishna comme Shiksha Guru. Paramatma, c'est Shiksha Guru. Maître spirituel qui nous enseigne est aussi un Shiksha Guru. Donc, qui est Krishna lui-même en Shiksha Guru. Donc, si nous avons tout le temps les instructions de Guru avec nous, on obéit en fait à ces instructions, on prend le moule. Tant qu'on n'obéit pas, on prend une autre forme. Okay? Ou on sera à moitié moulé, ouais, déformé. Comme les assiettes. Voilà, comme des fois on a des assiettes défectueuses. Pourquoi? Parce que c'était mal, il n'y avait pas assez d'argile, etc. etc. Aussi, il faut garder toujours l'association avec les dévots, surtout être proche aux dévots qui respectent beaucoup le maître spirituel, qui suivent avec une fermeté, suivent leur maître spirituel. Bien sûr que quand on parle de ça, il faut absolument comprendre aussi que si on ne comprend pas Guru Tattva, on va toujours dévier en fait le concept. Hein, parce que souvent les gens pensent que Guru c'est celui qui a donné Diksha. Hein. Diksha, ce n'est pas une fonction de Guru. Parce que si Diksha était la fonction de Guru, on devait recevoir Diksha chaque jour. Chaque jour, je rencontre mon Guru. Et chaque jour, il me donne Diksha, parce que Diksha, c'est une fonction. Non. Est-ce que vous recevez chaque jour Diksha? Non. Ça veut dire que ce n'est pas une fonction de Guru. La fonction de Guru, c'est l'enseignement. Il doit faire chaque jour ça. C'est ça la fonction de Guru. Si on dit, voilà, quand je vais voir mon Guru qui m'a donné Diksha, c'est là que je vais prendre les instructions et comme ça, je vais réussir dans ma vie spirituelle. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas la vraie fonction de Guru. La vraie fonction de Guru, c'est l'enseignement. Pourquoi Krishna est Guru? Parce qu'il donne des enseignements de l'intérieur et de l'extérieur. C'est pour ça que Krishna est notre Shiksha Guru aussi. Vous voyez? Est-ce que j'ai répondu à toi? Oui. Juste, c'est merci. C'est une question plutôt, je pense, du côté de la langue française, je pense. Vous avez dit utiliser le mot l'état constitutionnel de l'âme. Mm-hmm. Et il y a une autre chose aussi que j'ai lu, c'est plutôt notre positionnement. On nous dit positionnement d'une âme, peut-être. Bon, je vais expliquer. Est-ce que l'état constitutionnel que vous avez dit, c'est d'une âme, c'est trouver un confort, un bonheur? Est-ce que l'état constitutionnel n'est pas servi à Krishna? Ou peut-être notre positionnement, parce qu'on est en contact avec l'énergie matérielle, donc c'est notre positionnement, c'est de chercher bonheur, mais par contre, l'état constitutionnel, ça reste toujours servi à Krishna, sans penser à bonheur ou malheur, des choses. En fait, l'état constitutionnel,
C'est un terme qui est appliqué pour définir certains points de principe de notre Siddhanta. Notre Siddhanta, c'est les postulats et les concepts de notre philosophie Vaishnava. Okay? Et dedans, nous avons un Atma Tattva. Atma Tattva, hein, la vérité sur l'Atma, ou quelle est la substance Atma, la vérité sur l'Atma, de l'âme, est établie, qu'on ne peut pas changer. Dedans, hein, dans ces postulats, c'est que des choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, Krishna est Dieu, la personne suprême. C'est un postulat, vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez pas dire, oui, mais aussi, il n'est pas Dieu, la personne suprême. Non, il est Dieu. Brahman est impersonnel. C'est un aspect de l'absolu. Ça, vous ne pouvez pas changer. Ça aussi, c'est un postulat. Pareil, l'âme, Atma, est un Purusha. Pourquoi? Parce que Krishna est Purusha aussi. Purusha, c'est celui qui jouit, jouisseur. Si Krishna n'était pas Purusha, l'être vivant n'était pas Purusha. Parce que nous sommes une particule de Krishna. Donc si Krishna est Purusha, nous sommes Purusha aussi. Mais Krishna est Adi Purusha. Ça, c'est son état constitutionnel. Nous, dans notre état constitutionnel, nous ne sommes pas Adi Purusha. C'est Krishna qui est Adi Purusha. Le Purusha originel. Nous sommes Purusha parce que Krishna est Purusha. Ça, c'est un postulat. On ne peut pas changer. Ou par exemple, quand Krishna dit que l'âme ne peut pas être détruite, on ne peut pas ni couper, ni brûler, etc. Ça, c'est l'état constitutionnel. Et en répondant à ta question, c'est que l'âme est aussi Purusha, mais pas Adi Purusha. Et son plaisir, sa jouissance, et faire plaisir à Krishna. Quand l'âme fait plaisir à Krishna, elle jouit. Ça, c'est aussi son état constitutionnel. Mais quand il arrive dans le monde matériel, il perd Krishna, mais il ne perd pas l'habitude de servir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sert parce que c'est un besoin, c'est dans son état constitutionnel. Il doit servir et recevoir un bonheur, recevoir, jouir de ça. Qu'est-ce qu'il fait? Être vivant, il commence à servir ses parents, ses enfants, ses amis, il sert la patrie, et il sert la science, le Covid, etc. etc. Pourquoi? Parce que c'est dans son état constitutionnel. Peu importe où il est dans le monde matériel et spirituel, c'est dans sa nature. L'âme doit servir et recevoir plaisir de son service. Okay? C'est pour ça qu'ici, dans le monde matériel, quand on oublie Krishna, on commence, à la place de servir Krishna, on commence à servir les autres. Son chien, etc. Non, on sert l'énergie matérielle de Krishna, mais on sert toujours Krishna, je pense. Pas seulement l'énergie matérielle. Quand, par exemple, je sers mon chien. Mm-hmm. Tu n'es pas conscient que tu sers l'énergie matérielle. C'est pas forcément, non, parce que mon chien, c'est quelqu'un, c'est une âme aussi. Je sers cette âme dans la forme de chien. C'est pas forcément je sers l'énergie matérielle, non. Je sers cette personne, cette identité qui est dans le corps d'un chien. Ok? C'est dans notre nature servir les autres et prendre plaisir. Par exemple, je sers mon chien, il monte sur mes genoux, je le caresse, ou mon chat, il est donc agréable et je prends plaisir. Parce que je le sais. Okay. Donc l'état constitutionnel, c'est de servir, mais pas seulement Krishna, ça peut être servir. Par exemple. En général, servir, c'est l'état constitutionnel de l'âme.
Mais dans le monde spirituel, ça se manifeste le service envers Krishna. Dans le monde matériel, quand on perd l'objet de service, on commence à chercher un autre objet de service. Hein? Self-love. On sert à soi-même. Self-love, en fait. Self-service. Deuxième question. La dernière, pardon. Vous avez parlé de Varnashram Dharma ou Dharma Artha Karma Moksha, tout ça, que c'est les fausses pistes. Est-ce que peut-être ils ont les acharyas, je ne sais pas s'ils ont, ou peut-être si dans les shastras ils ont mentionné ces fausses pistes. C'est peut-être parce qu'on est tellement dégradé en termes d'intelligence qu'on n'est pas prêt de comprendre de nectar de dévotion, servir de dévotion, ou c'est peut-être pour d'abord organiser la société dans le marni un petit peu, organiser, comment dire, la pré-étape avant d'aller en service de dévotion. Non. Ça, c'est une fausse piste. Ça, c'est une fausse piste, ok. C'est que nous pensons, tant que Varnashrama Dharma n'est pas établi, tant que Dharma Artha Kama Moksha n'est pas établi, nous ne pouvons pas avoir pratique. C'est une fausse piste, Kaitava, fausse piste. Parce que si on dit comme ça, on met bhakti en dépendance. On dit bhakti dépend de varna, bhakti dépend de ashrama, bhakti dépend de Dharma Artha Kama Moksha. Non, bhakti est indépendant. Bhakti dépend de Krishna, c'est tout. Parce que il n'y a pas Krishna, pas de bhakti. Bhakti apparaît quand Krishna apparaît. Donc bhakti dépend seulement de Krishna et de rien d'autre. Ni des actes pieux, ni de notre dharma, ni de artha, ni de kama, ni de moksha, ni de varna, ni de ashrama. Parce que bhakti, c'est indépendant. Seule chose de quoi bhakti dépend, elle dépend de Krishna. Parce que si Krishna n'est pas là, bhakti n'est pas là. On peut donner preuve comme ça que là où l'époque où il y avait Varnashrama Dharma, dans l'histoire, on n'a pas une statistique, on va dire entre guillemets, qu'il y avait plus de dévots qu'après. Et aussi, ça veut dire comme exemple, quand est-ce que la dévotion déborde et les gens deviennent les dévots, quand Chaitanya Mahaprabhu est arrivé, lui, il était un exemple de dévotion, ça a débordé, tout le monde devenait dévot. Quand Prabhupada est venu, on va dire jusque-là, il n'y avait pas dans le monde entier et les gens sont devenus dévots. C'est ce que je disais, que bhakti dépend de Krishna. Cet exemple que je voulais dire comme ça. Krishna, mais ça ne dépend ni de dharma, ni dharma, ni varnashrama dharma. Mais pourquoi ces deux systèmes Krishna a appliqué? Parce que c'est Krishna qui a donné ces deux systèmes. Hein, de varnashrama dharma et dharma artha kama moksha. C'est Krishna qui a donné ce système. Pourquoi? Pour que les gens qui ne sont pas sur Bhakti Marg, qui ne sont pas sur le chemin de Bhakti, au moins qu'ils soient satisfaits aussi et qu'ils se sentent heureux. On peut dire que ça apporte Sattva Guna, on peut dire quand même Varnashrama Dharma monte les gens au niveau spirituel. Si ce n'est pas Bhakti, mais spirituellement, ils sont plus avancés. Non. Même pas sattva, ils ne sont pas plus sattviques que les gens d'aujourd'hui. En fait, souvent, c'est ça, on peut voir que voilà, sattva guna, c'est plus facile venir dans la conscience Krishna, c'est faux. Mais ce n'est pas faux qu'un dévot doit chercher de s'entourer de sattva guna. Parce que ça aide, ça crée un contexte meilleur pour l'évolution de son bhakti. Mais ça ne veut pas dire que si je suis dans sattva guna, je peux arriver plus tôt que
quelqu'un qui est dans le tamas. Celui qui est dans le tamas, peut-être il va arriver plus tôt que moi. Pourquoi? Parce que je pense que si tout le monde sera honnête, chacun fait son devoir, etc., tout le monde va vivre heureux et voilà, je le fais, je me sens heureux. Tandis que celui qui est dans Tamaguna, il souffre, et après il dit « Krishna, sauve-moi, s'il te plaît ». Il s'abandonne à Krishna. Mais on ne peut pas dire que, voilà, pour arriver à Krishna, il faut qu'on soit dans le tamas. Un petit peu la question, Akshananda, est-ce que sans tenir compte le bhakti, est-ce que Varnashrama Dharma nous assure qu'il y a plus de gens qui vivent dans le sattva que le système d'aujourd'hui? Non, en fait, encore une c'est fois. C'est ça que je veux dire. Sans tenir compte le bhakti, juste sattva. Est-ce que ça apporte plus de sattva, Varnashrama Dharma? En fait, Varnashrama Dharma met un ordre dans la société. Mais Varnashrama Dharma peut produire aussi rajas. Beaucoup de rajas peut produire. Système Varnashrama Dharma. Tout. Pourquoi? Parce que, en fait, parce que l'homme a toujours cette tendance pour la gratification des sens. Et ce n'est pas le système de Varnashrama Dharma qui va empêcher de gratifier les sens. Parce que je peux gratifier mes sens d'une façon autorisée. C'est ce que, en fait, le même discours a rapproché Narada Muni à Shiva Vyasadeva. Quand Vyasadeva a écrit Vedanta Sutra, il a pensé qu'il a tout décrit, tout expliqué, et il n'était pas satisfait. C'est là où Narada Muni est venu, il a dit que les êtres vivants, par leur nature, ont déjà cette tendance vers la gratification des sens. C'est vrai que tu as décrit le système de Varnashrama Dharma, Artha Dharma, Kama Moksha, etc. Les gens vivent, mais comme ça, tu leur donnes la possibilité de gratifier les sens d'une façon autorisée. Et c'est pour ça qu'il a dit. Pour cela, il faut que tu décrives le chemin de bhakti. Mais ne pense pas qu'en fait, si on gratifie nos sens dans la voie autorisée, c'est sattva guna. Ça peut être etamas, ça peut être erajas aussi. J'expliquerai plus, mais c'est trop tard. Hare Krishna. Hare Krishna. Shishimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Toute gloire.